Bonsoir à tous et bienvenue dans la Ben Gaming Zone pour ce nouveau live. Et ce soir, on se fait un petit Discovery Ben. Sur The Long Dark. Alors, c'est un jeu de survie, on va dire contemplatif. Parce que y a pas d'ennemis. Salut, Flavius Arnoldus, comment vas-tu? Ouais, bon, ça devrait être bon comme ça. Hop là. Ok. Bah, pas le choix de toute façon, hein. C'est marrant, je l'avais pas déjà. Il me semble bien que j'avais déjà joué il y a longtemps à ce jeu. J'avais fait une partie vite fait. Survival mode, update, Perilous, Constraint. Ok. Le mode histoire, scénarisé et épisodique. Le mode survie, l'expérience de survie et d'exploration non scénarisée qui vous fixe tout seul. Bah non, on veut le mode histoire, nous. Un bonus, consulter les contenus supplémentaires. Bah oui, le mode histoire. Voilà. Bah ça va. Ça va, sauf que j'ai mon voisin qui a eu la mauvaise idée de lancer une machine à laver à cette heure-là. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir sa machine à laver chez moi. Non, le volume était bien. Ok, on est bon. On est bon. Et ce soir, ah bah oui, j'ai pas lancé le... Ah bah oui, ok. J'ai pas lancé le giveaway, voilà, parce que ce soir vous pouvez gagner Grid Definitive Edition. Donc on avait dit mode histoire et nouvelle. Et donc on va commencer par l'épisode 1. Mackenzie et le docteur Greenwood ont été séparés suite au crash de leur avion dans une région reculée et inhospitalière du nord canadien. Luttant pour sa survie, Mackenzie explore le village de Milton, où il commence à comprendre l'ampleur de l'apocalypse silencieuse qui l'attend. Ok, Flavius, bah t'es rentré dedans. Le giveaway, voilà. Et alors cette semaine, il va y avoir des bons trucs à gagner. Il y aura Imperator Rome, notamment. Alors attention, hein, c'est pas Total War Rome, hein, c'est Imperator Rome. C'est un autre éditeur, j'ai plus le nom en tête, mais je vous le dirai quand je l'aurai à nouveau en tête. Il y aura Senua Hellblade Sacrifice. A gagné aussi un super jeu, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai aimé ce jeu. Vraiment, il est génial ce jeu. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura du Civilization 6, édition Platinum, il y aura du Tropico, il y aura, enfin voilà, il va y avoir des trucs de ouf à gagner cette semaine. Alors, on va mettre survivant novice, hein, parce que voilà. Et je vous avoue que de tous les jeux de survie que j'ai joués, c'est celui qui me fait un peu le plus flipper dans le sens où je sais ce que c'est que le froid, je connais la montagne et il y a rien qui vous tue plus vite que le froid. Il n'y a rien qui ne vous tue plus vite que le froid. C'est
Pour avoir fait des randos en montagne et tout, je peux vous dire que l'hiver, vous traînez pas trop, hein, entre deux refuges, vous traînez pas, hein, parce que vous voulez pas être coincé. Nommez l'histoire, eh ben, histoire 1, hein, voilà. Point d'exclamation Noël. Parce qu'on est dans The Long Dark. Ah bah bonne idée, on se réveille dans le froid. Ah bah d'accord. Ah bah ça y est, on a déjà perdu des doigts de pied. Astrid. The Joker. Seems about right. Feels like another record cold snap on the way. I'd better get a fire going before the pipes freeze up again. Alors remarque, dans les Hauts-de-France, moins 10, c'est la température habituelle, non? Ok, d'accord. Il y a déjà un problème. Option. Touche. Vers la droite, recharger, ranger. État, sac à dos, vêtements, journal. Ok. Ok, on devrait être bon.
Voilà, ok. Ouh, et sensible. Déjà que ma sensibilité, elle est haute, mais apparemment, le jeu, il est assez sensible aussi. Commande qualité, affichage audio, tadadam, audio. Son, musique. Hop là, hop là. Touche, il n'y a pas la sensibilité de la souris. Commande, sensibilité souris. Voilà, on va baisser un petit peu. Putain, il est qu'à 50 et à. Ouais, mais moi j'ai une grosse sensibilité sur ma souris aussi. À cause des FP, des jeux en FPS auxquels je joue habituellement. Voilà. Le poêle à bois. Bois de chauffage, c'est du cèdre. Ah bah c'est bien, ça sent très bon. Cèdre, on fait tout. Ok. Le journal. Un quotidien qui peut faire office de petit bois. Ramasse tout. On prend tout. On prend tout. On prend tout. Faire du feu, cuir, eau. Ok. Donc là, pour l'instant, à mon avis, on est en début de. On est en début de game, donc on aura besoin de rien. On peut pas prendre la bouteille d'alcool? A rare Mackenzie family photo. Ok. Miss you, Dad. Ah, c'est l'hydravion. D'accord. On peut pas récupérer des outils ou des trucs comme ça? Il n'y aurait pas un vieux briquet qui traîne? Fichu play électrique ne marche pas. Never works when you need it. Damn, I was right. Pipes froze up again. Ah, ça c'est l'horreur, ça. Les tuyaux gelés, c'est l'horreur. C'est un coup à ce qu'il pète. Ah. Sur les toilettes. Ah bah non, ça marchera pas mieux. Ok. Oh. Les trucs dans le placard? Non. La porte? Non. Jackrabbit remote transport. Zero flights a day to the mainland communities and, well, anywhere really. Oh. Fatigue insuffisante pour faire une sieste. Those were better days. Ok. Ok, on peut décomposer des trucs. Pour manger rapidement, sélectionnez l'aliment dans la catégorie dédiée du menu. Souvenir, Mackenzie traîne près du hangar de Jackrabbit en attendant que quelque chose se produise. Passez le temps, vous avez froid, faites du feu. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est le journal. Les individus, les lieux.
les objets et les actions. Ok. Oui. Consommez rapidement votre nourriture ou utilisez le menu espace. Ok, mais là je crois qu'on n'avait pas spécialement faim. On est hydraté, on est rassasié et on a un léger froid. Ça va. Vêtements, ok, qu'est-ce qu'on a? Pieds, jambes. Torse, ok. Accessoires. Ok. Well, here we are, old girl. Your best flights may be behind you, but you're still beautiful to me. And anyways, you're all I've got. I'd sure love to give you one last great adventure. Huh. I don't remember needing my parka this early in the season. It seems to get colder every year. Ok, bah c'est vide, bah alors comme ça. Ok, sur espace, on a nourriture, tout ça, tout ça. Installation du camp, journal. Ok, ils vont vraiment vouloir que je fasse un feu? Non. Ah bah voilà! Les boîtes d'allumettes. Un téléphone portable, ça peut être utile. Non, non. Non, oh bah t'as perdu. Oh bah c'est bête, t'as perdu. Bon. Ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? What the fuck? Je crois qu'on est coincé là. Hein. On va passer l'hiver dans le hangar. Non, ils veulent vraiment que je fasse du feu en fait. Hein. Au moment où je vais faire du feu, il y a quelqu'un qui va arriver. Ah bah voilà, bah on va se réchauffer. Explorer le hangar. Getting pretty late in the day. Guess I could take a nap. Mackenzie traîne près du hangar. Ok, vous avez froid, faites du feu. 5, explorer le hangar. Vous êtes fatigué, faire une sieste. Ah. Bon, bah voilà. Super. Et la porte, je peux plus la fermer une fois que je l'ai ouverte. Non. Ok. Bon, bah take a nap. On se repose. Ouais, c'est le tuto du jeu en fait, hein. Il vous oblige à faire des choses. Who could that be? Répondez au téléphone. Oh bah, allons répondre au téléphone. J'arrive, j'arrive. Oh là là, pas la peine de s'énerver. Jack Rabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. I told her not to come up. I told her you couldn't fly in this weather. For once, will you not be so damn... Whoa, slow down, Maureen. What are you talking about? She just showed up. Said you'd see her. Said you'd fly her north. I know you need the money. The weather service... It's okay, Maureen. I've got it from here. Oh. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well,
What brings you... I mean... Are you sick? No. No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear? There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie... Will... I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me, or not? No. What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. When it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the Great Northern Nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not... Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up tight, because it's gonna be a rough ride. Tu m'étonnes. Par voler par ce temps-là. Je suis pas pilote d'avion, mais. Two people plus enough fuel to get us out to Great Bear and back leaves. Almost no capacity for cargo. If we're too heavy, we'll burn through our fuel before we get there. I'll have to be careful about what else I take with me. Sélectionner du fret supplémentaire, facultatif. Alors, charger le matériel d'Astrid dans l'avion, sélectionner du fret supplémentaire. Ouais, du fret supplémentaire, mais je crois que j'ai déjà tout récolté en fait. On va refaire un tour histoire de voir s'il n'y a pas d'autres trucs qu'on peut ramasser. Ah bah voilà, du bois de chauffage. Prends tout. Non, prends tout. Prends tout, prends tout. Une galère est si vite arrivée, mon vieux. Ok. Bois de récup. Ok, on va prendre tout ça. Ah non, on peut pas sauter. On peut courir, on peut se baisser. T'as fait le plein de l'avion? Ou il faut que je le fasse? Astrid traveling pretty light. The mysterious case. Astrid definitely doesn't want to talk about what's inside. Non mais prends ta parka, abruti. He's probably not supposed to have it. Just need to grab my parka and we can go. Ok, j'ai rien d'autre. Ah bah voilà. Oh merde, j'ai pas pris la ration de survie. Oh.
you're still wearing it. Huh? Wearing what? Your ring. Our ring. Oh. Yeah. I mean, I just forgot to take it off. I wear mine too. Why? Memories, I guess. I thought you wanted to forget. Not all of it. Ouais, ouais, la ration de survie. Le Ben, il a oublié l'essentiel. Ouais, et puis en plus j'ai même pas pris mon téléphone portable, donc de toute façon je pourrais même pas regarder Netflix. Ah bah voilà. J'aurais peut-être dû prendre des cours de pilotage avant de m'envoler. Bon, du coup, back to the beginning. Astrid. Through the windshield. Oh. Trees broke my fall. Oh, mostly. Chapitre 2. Le crash. En théorie, une source de savoir, en pratique, un combustible pour échapper au froid. Bah attends, il y a plein de feux partout là, ça me réchauffe pas. Oula, j'ai ma vie qui est en train de se barrer là. Ok, alors déjà, on va faire du feu. Ah.
Faire du feu. Avant qu'on décède de... Cool, la chaîne a atteint 64,40$. Encore 36 et on a le versement de Twitch. Ah bah cool. I don't feel so good. I need to rest up. Ok, est-ce qu'on peut manger ? Le crash, Mackenzie se bat pour rester en vie et tente de retrouver Astrid. Qu'a-t-il pu lui arriver ? Dormez dans la grotte, essayez de grimper pour sortir du ravin. Ok, préparez un... Ok, bon, on va dormir un peu du coup. Astrid hasn't come looking for me, which means she can't come looking for me, because she's hurt, or worse. I'd better get back up to the crash site. Faites de l'escalade pour sortir du ravin. Apparemment, quand il fait jour, la température se stabilise. Ah mais non, mais ça y est, j'ai déjà froid en fait. J'ai ma vie qui descend. Bon bah on va refaire un feu. Hein. On va se réchauffer un peu. Est-ce que ça réchauffe ? Non, pas vraiment. Pas vraiment, et la torche est genre pas très très utile là en fait. Bizarre quand même que ça nous réchauffe pas. Voir, c'est vraiment lent. Hein. C'était affamé. Est-ce que j'ai des trucs à manger? Non. Bah il est où mon parka? Ok, no parka. No... Bon. Ah si, c'est bon, ça réchauffe, mais c'est lent en fait. Bon, puisque là, vu le niveau de ma vie... Je
pas des trucs qu'on peut ramasser sur les squelettes. On aurait pu fabriquer des choses. Et là, ça se réchauffe plus, ça s'est stabilisé ou ça monte toujours? Je peux pas le ranger, ça. Comment on fait déjà pour ranger des trucs? C'est qu'il y a le journal, le menu radical, pivoter, interagir. Espace, menu radial, volet survie. Marche auto. Équiper armes. Équiper source de lumière. Jeter l'heure, faire du feu. Si, H pour ranger. Aucune arme dans l'inventaire. J'ai rien à cuire et de l'eau, conserve recyclée. Il est possible. Ah. Ah, il s'est éteint. Je suis obligé de reclaquer du matos pour le rallumer. Merde. J'aurais dû mieux l'entretenir. Come on. Come on. That's done. Ajouter du combustible. Au carton, on va en profiter pour un... Bon, ça va, du petit bois, il y en a. Ok. Ah ouais, c'est des minutes marseillaises en fait. Ouais, parce que sinon je vais mourir déshydraté. Potable, très bien, ok. Non, je veux juste récupérer ma conserve, je ne peux pas. Ramasser, voilà. Ok. On se réchauffe, du coup ça donne quoi? On a froid, mais ça va. Bon, on va commencer à avancer.
voir s'il y a encore des trucs qu'on peut récupérer. On va décomposer ça, ça fera du bois. On va décomposer ça, ça nous fera du bois de chauffage, tout ça, puisque le bois de chauffage c'est bien des bouquins. J'ai pas regardé sauter. S'il y avait l'option de sauter, mais je crois pas. Sprinter, s'accroupir, placer, viser, lancer. Pivoter vers la droite, recharger, ranger. Ok. Bon, je peux pas escalader ici. Pas escalader ici non plus. Attends, tu vas me dire qu'il va falloir que je passe par là. Ok, j'ai pas décomposé mon feu, c'est bête, j'aurais pu récupérer du matériel, mais tant pis. I could probably climb that. Si tu le dis. Te pète pas la gueule, copain. Fruit d'un rosier sauvage sous forme de thé, il a des vertus analgésiques. Oui, très bien. Can't feel my feet. Putain, on a déjà froid. Allez, là, faut qu'on se dépêche. Mais non! Mais non, mais t'es trop teubé, toi. C'est les rhododendrons que je voulais ramasser. I think I'm gonna make it. On va pouvoir faire beaucoup d'analgésiques, c'est bien. Ouais, graphiquement, il est très sympa ce jeu. Hein. Mais non! Ok, où est mon avion? Okay. Il y a des morceaux des avions qui sont là, mais... Ah, il est là. Est-ce que je pourrais trouver ma parka? Mon avion! Je ne sais pas qui est le plus mal en point des deux.
je pense que c'est l'avion. This isn't how things were supposed to end. Risque hypothermique. I've been looking for you. Ok, sélectionner état. Vêtements. Ah, du coup, il l'a mis direct. Ok. Individu, action, connaissance, action. État, quand votre état devient. Ok, les bases de l'habillement, le feu. Ok, je pense qu'on va faire un feu dans le coin. Astrid's back. Ah bah il y a un code. Bah d'accord. Locked. Whatever's in this case, Astrid was ready to die for it. I hope she hasn't already died for it. Reposez-vous dans un lit ou un sac de couchage pour améliorer votre état. Oui. Oui, ok. Ok, Astrid, t'es pas dans l'avion? Non, tant pis. Bon, on va continuer à avancer, mais je pense qu'on va pas tarder à faire un feu. Faudrait qu'on trouve un coin à l'abri pour faire un feu, mais je suis pas sûr qu'il y ait ça dans le coin. Parce que là, on va finir par mourir glacé. Hein. Voilà, fais du feu. Ouais, il est joli, on dirait un film d'animation, c'est vraiment sympa. Come on. It worked. Ah oui, c'est 0 ou 1 demi-litre, donc le feu, il va durer combien de temps? 58 minutes, c'est bon. On va avoir le temps de se réchauffer un peu. Niveau fatigue, pour l'instant, ça va. Et du coup, on en profite pour se réchauffer. On peut pas s'asseoir, par contre. La nuit est déjà en train de tomber. On est dans le Grand Nord, c'est normal. Bouillie dans... Quoi ? Ah mais non, c'est moi.
Du coup, je peux pas ajouter les rhododendrons là? Non. Apparemment, je peux pas. Voilà, ramasser. Se réhydrater. Et puis, bon, de toute façon, si on a besoin de s'hydrater, je pense que. En regardant dans notre inventaire, on doit avoir. Voilà. Manger ça. Crunchy stuff. Je l'ai pas ajouté. Bah si, pourtant. Essayer de bien se réchauffer. Ça me fait penser au jeu du même style où on est un garde forestier. Ouais, non, je me rappelle pas du nom non plus. Mais ouais, je vois de quel jeu tu parles. Donc par contre, il va rapidement falloir qu'on retrouve de quoi se nourrir. Déjà ? Vache. Bûche calorifique. Voilà. Putain, la vache, le feu, il... Hein ? Comment ça, tu passes de 2 heures et des bananes à 8 minutes? Il se fout de ma gueule le jeu là. Non, bah fous des bâtons. Peut-être parce que les feux de camp, on peut pas les faire durer plus d'un certain temps. Mais c'est assez bizarre quand même. Non mais... Je... Tu te moques de moi? Alors c'est parce qu'on est dans la nature, on n'est pas abrité et du coup, ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. Mais là... Puisque le feu de camp il va s'éteindre. Non mais allume-toi. Ah. Bon, on est bien réchauffé déjà. C'est une bonne chose. Non, je veux le déglinguer, le feu. Mais la torche, elle arrête pas de s'éteindre. C'est à cause du vent.
bien. Mais non, la jette pas, idiot. Parce que là, dis donc. Trop de vent pour allumer la torche. Ah bah voilà. Bon. Je pense qu'on n'a pas le choix, hein. Il va falloir aller par là. Alors je suis en train de retourner à mon point de départ, mais il me semble pas. Dites-moi que je suis retourné à mon point de départ. Non mais non. Bah si. Bon, bah, y a plus qu'à tout recommencer. Firewatch. C'est ça, exactement, Alti, t'as trouvé. Je suis carrément retourné à mon point de départ. Incroyable. Essayer d'éviter de courir parce que ça risque de nous mettre dans le mal. Ah bah oui, mais en même temps, s'il y a nulle part où aller... Ah bah déjà... Voilà. On va récupérer du bois. Hein. Oh ! Des vêtements chauds. Enfin, des vêtements plus chauds. She definitely passed through here. Ah. In a hurry. D'accord. Je peux pas ramasser son bout de tissu. Non. Trouver des pierres et lancez-les pour assommer les lapins. Ah, des pierres. Ouais. Pleine nuit, ça va être évident. Ouais. Trouver des pierres. Serait-ce une pierre? Ah, j'ai trouvé une pierre.
Ouais, d'accord. J'en ai eu un. Ah mais non! Mais il s'est réveillé! Petit lapin, reviens! Des cailloux. Trouver des cailloux. Je peux en transporter que 3? Non, je calme. Ah non. Ah, salaud de lapin. Ah mais non. Someone's been here recently. Could it have been Astrid? Bon. Ah, petit lapin, ne bouge pas. Est-ce que vous pourriez arrêter de courir dans tous les sens comme ça? C'est assez ennuyeux. Il y en a un là. Oui, je sais bien qu'il faut trouver à bouffer, mais il faudrait que t'apprennes à viser aussi, mec. Je veux dire, arrive un moment. J'en ai eu un. Mais non, mais... Mais c'est incroyable, ça. Ah. 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 Pauvre petit lapin. Aucune arme dans l'inventaire. Ah bon, j'ai vidé tous mes petits cailloux. Bon, moi j'en ai chopé, hein. Ok, de toute façon, on va faire la pause. On va faire le tirage au sort.
Et je crois qu'on va faire cuire ce lapin. Chercher des indices, chercher Astrid. Ok, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Lieu, connaissance des lieux. Objet. Ok, sac de couchage, pierre. Ok, j'arrive. Une petite minute, je reviens et on fait le tirage au sort. Bah, merde, où il est? Ok, alors, oui, ah bah oui, par contre, il me sort directement du jeu, lui. Du coup, eh ben, pick winner, mon gars. Voilà. Elf Tigrou! Tu viens de gagner Grid! Hop là, ok. Du coup, il y avait quoi de nouveau alors? Ah, sprinter, ok. Il est déjà fatigant de marcher, il faut un certain temps pour récupérer l'endurance. Ok. Les lieux, on n'a rien, et les objets, ok. Ok, donc. Arme. Ok. Un igloo? On peut carrément faire un igloo? Are you kidding? Ok.
Bon, on va faire à boire, mais c'est pas notre priorité déjà. J'ai un lapin, non? Essayer de grimper. Non. Inventaire. Ah bah voilà. Recycler. Viande. Lapin à cuire. Ok. Ah bah oui, mais si le bois il tient pas, ça va être évident aussi. Et comment que je fais pour cuire ce putain? Il n'y a pas de moi des fois. Manger cet animal cru. Mais non, mais je peux pas le faire cuire là-dedans. Ah, d'accord. Ok, c'était encore pas le bon endroit pour faire un feu de camp, hein, je vous le dis. Non. Non, je pense que du coup, à cause du vent, à mon avis, à cause du vent, c'est pas possible de le garder plus de 10 minutes le feu. Mais c'est bizarre quand même. Voir, c'est qu'on n'est vraiment pas doué pour faire un feu de camp. Ah. Ok, bonne nuit Flavius. Voilà. Bon, on va manger le lapin.
cul de lapin. Tous les vêtements, il s'est équipé, ok. Ah, j'ai le choix entre les deux. On va garder celui-là. Ok, on s'est pas trop mal réchauffé, maintenant il faut qu'on trouve des indices et qu'on se tire d'ici. Bon alors par contre la nuit est très longue et la journée très peu. Essayer de rechasser un lapin, si jamais. Je l'ai raté. Salut pion. Pitié, salut pion. Coucou. Lapinou. Non, ah, ah. Oh putain. Ah, des massettes. Tiges de massettes. Coria, c'est très calorifique. Mais... pas très calorifique, mais comestible. Du coup, on va en ramasser. Hein. Allez, range-moi ça. Voilà. Ok. Du coup... voilà. Ah oui, c'est la torche. Ok. Fourrure de lapin fraîche. Utilisée pour fabriquer et réparer des objets après séchage en intérieur pendant 3 jours. Ah ouais, d'accord. Des boyaux à utiliser pour fabriquer et réparer des objets après séchage à l'intérieur pendant 5 jours. Ah ouais. Ah merde, il s'est éteint ce con. Du coup, on a chaud, on est un peu mieux nourri. On a un lapin d'avance. On va commencer à chercher des choses.
Astrid, where did you go? Bah ouais, voir Hugo quoi. Need to eat soon. Uh-huh. Ah, some kind of radio tower. Une antenne radio. I must be closer to civilization than I thought. Bon, ça, j'ai pas encore trouvé comment on l'utilise, mais ça devrait s'utiliser. Donc on va aller en direction de la tour radio. Toujours un deuxième lapin à bouffer. Kazoo. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut escalader? Ah, il y a un panneau. Bonjour monsieur panneau. Ton radio, elle a l'air d'être là-bas. Voilà. Hop, on va ramasser du bois. On va faire du petit bois. Et il va falloir qu'on se trouve un abri. Ok, on a trouvé la tour radio. Bonjour. On peut y monter, non? Non, apparemment pas. Ok. Par contre, ici, il y a des panneaux. Oh. Scenic view. Someone's just sitting here, frozen. What the hell? Great, a town. Maybe I can find help there. Ah, une ville. Ça veut dire un toit. Analgésique. C'est tout? Ah. Bon. Ok, bon. Ah, on va descendre vers la ville. Non, on va pas escalader. Hein.
smoke from that chimney. Oh! That means someone's home. Du coup, il y a peut-être quelqu'un de vivant dans cette ville. Hello? Anyone out there? Oh. Il y a encore un mec mort. What happened here? Oh, c'est un cadavre vide. Bah tiens. Oh, une hachette. Ah bon, ça peut pas servir d'arme la hachette? Jeter carcasse de lapin? Mais non! C'est de la bouffe. Comment ça, la hachette ne peut pas servir d'arme? Non, c'est un outil. Apparemment, hachette, petite hache à une main pour trancher du bois ou la viande en cas de besoin. Ok. Action. Outil nécessaire. Tu as déguisage. Okay. Bon. This whole area looks like it's been abandoned for a while. Oh. Qui veut d'un rocking chair, quoi. Surtout qu'on peut pas s'asseoir dessus, donc... Hello? Et bienvenue, Charlie. Anybody here? On peut pas allumer la lumière? Oh. Bonjour. Hey. Hey, wake up. Holy shit! Wait! Hold your fire! Me tue pas? Back. Okay, okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Voilà. Outsider. What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice, and you haven't left like the others. So, must be a mainlander. Someone who doesn't know. Oui, c'est ça. Vous avez tout à fait raison, monsieur. I crashed in the mountains nearby. I'm looking for someone who crashed with me. A friend. She might be injured. I haven't seen her. Listen. Could you maybe point that gun someplace else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move, say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. The others are all gone. If you are here, things must be worse than they thought. Name's Mackenzie, by the way. And you are? I had a name once. But for years, the townsfolk have called me Grey Mother. A name takes on its own life. Such that at one point, the name becomes the thing it belongs to. Mm-hmm. Then the old names fade. Can only be remembered by the young and the true. So, I should call you... You should call me Grey Mother also.
Where are we? Milton. A forgotten town, deep in the mountains. You're far from home. But, where are we on Great Bear? My plane came down in a storm, and my compass was acting funny. I've lived here all my life. Not much use for the outside world. Milton's the last of the old mountain towns. Now, it's almost impossible to get to. Or get out of. Sauf quand on se crache en avion. Here are either too poor or too proud to leave. Which are you? I have what I need. At least I did before the bad man came. Now I'm not sure I have enough to get through the winter. I need to find my friend, but I'll do what I can to help. My mind is fuzzy. Some things come through so sharp, others like a dream. Let me think. Let me rest. Maybe I can pull some memories out of the fog. Maybe I can find something that could help you find your friend. Sitting here with a rifle in your hand. You expecting trouble? Trouble? Trouble found me. You mean the storm? The bad men. The bad men came. Took my things. Tried to take my house. They thought they were safe. Because Grey Mother can't see. They were wrong. Who are the bad men? The men they passed through town. The night of the storm. The night of the lights. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught by these bad men? I can't say for sure. Is your friend a survivor? Yes. She is. Then there is always hope. Ok. The bad men. Did they try to hurt you? Everyone thinks being old means you're weak. But they underestimated Grey Mother. It seems they did. I crashed without much food or gear myself. And if these bad men cleaned you out, we're gonna need to find some food and fuel, or neither of us is gonna make it through the next few days. You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything. And the others in town who would have helped me are gone. The ones left will have their own worries. It's up to you. Outsider. I'll do what I can, but I'll need your help. There must be somewhere in town to get food, fuel, the essentials. What about your friend? Are you in a hurry to find her? Yes, I am. And I'll be looking for signs of her. But there's a lot of ground to cover. Without gear, yep. I won't make Sans it. Équipement. Sans nourriture, on n'y arrivera pas, donc... So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the Night of the Lights, and if she might have passed through town. That way, maybe... Il y a très peu de chances qu'elle l'ait vue. Elle l'a peut-être entendue, mais... Outsider, Grey Mother can't promise she can unlock the secrets in the dark cupboards of her mind. But she'll try. Waouh. Il y a plein de trucs à lui demander, mais le truc c'est que je ferais bien une pause pour aller me faire un thé, moi. Du coup, on va faire une pause vite fait, je vais aller me faire un petit thé.
Voilà. Hop là, on va basculer en pause le temps que j'aille me faire un thé bien chaud parce que moi toute cette neige ça me file froid. Voilà. Et puis le temps de la pause, je vais vous passer une petite page de pub. Voilà. Allez, à tout de suite.
Ok, ouais, I'm back. Alors, du coup, on va lui demander. Continent, c'est quoi? You keep calling me a mainlander. Why? It's what you are, isn't it? From the mainland, an outsider. You don't really belong here, do you? Okay, but you sound bitter about it. We lost everything in the collapse. People didn't realize how dependent we'd become. Some were fine with it. Others didn't want the scraps from your table. Mm-hmm. Created deep rifts in families, communities, scars that never healed. The mainland had become our lifeline, and it was suddenly cut. And so, we suffered. I guess I don't know much about that history. I'm not surprised. You mainlanders have always been focused on your own story. Only interested in Great Bear when it had something to give you. If you can't cut it down or dig it out of the ground, what use is it to you? Ok, les autres? What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, a scarf with birds on it, possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. Oh. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Before, you mentioned hearing voices. Do you remember what you heard? Memories are gray, misty. I'm trying to remember. It was windy. The blizzard was already waking up. But I heard yelling. A scream. Was it a woman's voice? I'm not sure. The voices were thin, far. The blizzard was waking up. Soon there was only wind and darkness. I don't know. I don't remember. It's all cloudy now. Okay. Well, any idea how I can get out of this town? I need to find help. The old quake closed down most of the roads in and out of town. That was years ago. Blizzard just swept through town after the power went out. As for help, you won't find any out there. You're on your own. We both are. The power seems out all over town. The power's always been spotty here since the quakes. No money to fix the broken stuff left behind. And nobody from the mainland seemed to care enough to do anything about it. I'm sure someone will come and fix it. Ouais, ça m'étonnerait. Nobody's coming to save Milton. Ok, bah bonne nuit, Alti. How can you be so sure? Faites beau rêve. I've learned to hear the difference between something quiet and something abandoned. Puis bon courage pour demain. This goes deeper than just a stillness. It feels like the moments before the world goes to sleep. We're just the last ones left awake to notice it.
town seems so quiet. Does anyone still live here? Not many. After the earthquakes, less. After last night, even fewer. Where did everyone go? That I cannot say. All I know is that I heard screams and could smell smoke for most of the night. Me? You mentioned smelling smoke? Someone came here. One of the townsfolk. Tried to convince me to leave. They said there were houses burning in the town. They said people were scared and were leaving for the coast. On foot. Foolish plan. But that's what they said to do. After the quakes. If there was ever another emergency, go to the coast and help will come. They wanted me to go with them. But I'm not ready to leave Milton. They left you here? Alone? Elle a un fusil, ils ont I'm pas eu le choix. Alone. I have my Lily. Lily? Yeah, c'est son flingue. Never mind. Ok. Plus de dialogue. Ah mais non, il faut que je les recycle d'abord les lapins. Ok. Il m'a pas activé le deuxième. Du coup, si j'utilise la hachette, ça sera peut-être plus... Ah non. Ah, c'est la hachette, elle est à 61%, ok. Oh, j'ai du bon lapin, ça. Ah, on peut pas en mettre plus. Ok. Bah non, on va pas commencer à déglinguer toute la maison de mémé. Should be good to drink. Peut-être cuire le reste des lapins là-dessus, du coup. Qui sait? That did it. Could end up being useful. Ok.
Ok, et l'autre lapin. On va ramasser avant qu'il brûle. Voilà, du coup, 14 minutes pour faire cuire du lapin. Remplissez le réfrigérateur. Ah bah oui. Non, c'est bon, j'ai encore de l'eau. Tout ça, j'en ai encore. Ok. Ok, et puis on a vu qu'on avait plein de trucs à lire. Après, remplir le frigo de mémé, non, lui, mais... This will come in handy. Ok, la bouffe doit être prête. Y a nulle part où on peut faire sécher ça. Hope nobody needs this anymore. Bon. C'était la ville, ma foi. En raison de la conjoncture économique, vous n'êtes pas en connaître, nous sommes hélas dans l'impossibilité de rester opérationnels. Tous les services bancaires sont donc suspendus. Ok. I think I can use this. Du coup,
Ok, double bonnet, comme ça on aura doublement chaud. Les boîtes en carton, tout ça, tout ça. Ah, si la méthode nécessaire. Boîte en carton. Can't have too much water. Pile de papier. Ok, tout est vide. Boîte en carton. 8 minutes, mais on va le décomposer quand même, tant pis. Voilà. No more cash. Chose métallique. Y'a rien à la radio. Hein. Source d'eau potable. Ok, mais pour l'instant de l'eau j'en ai. On fera toujours un peu de petit bois. Et ça, on peut pas le décomposer. Du soda. Des boîtes en carton. Le tiroir, on peut pas l'ouvrir. Pied de biche. Tout fouillé. Ah. I could use this. Oh, du café. Non, 20 minutes pour recycler ça. Oh, du thé. Ok, bon, ici on sait qu'on a encore des trucs à recycler. Locked. Can't get in here yet. Salle des coffres. Et ça, donc, on n'a pas le code. Ok. Bon. C'était la banque. Il n'y aurait pas un magasin quelque part. Pour vous protéger des intempéries. Et
et se protéger des animaux. Ok. C'est quoi cet endroit? Ah, post office. Ok. Attends, carton, pile de papier. Trouver, cueillir et préparer des plantes médicinales. Could end up being useful. Des sockets. Note du bureau, Maria a relevé le courrier de Milton, on n'a pas les moyens de transmettre au continent, il n'est pas question de le révéler, sans quoi les gens ne vont pas comprendre qu'on ait tout gardé tout ce temps, trouve un prétexte, encourage le maximum de gens à utiliser les emails et les drones s'ils en ont les moyens, je vais guetter l'arrivée du fourgon. Mais j'y crois pas trop, sans doute que Jack est encore pris, s'est encore pris un arbre au détour d'un chemin de terre et qu'on ne reverra. Jamais le fourgon, j'aurais dû l'empêcher de prendre le volant quand il était sous. Je vais voir si j'arrive à rectifier le tir. Tiens bon. Ah, ok. Excellent. Ton carton. Pillage de Milton. Milton a été fondé en 1911 au début de la ruée vers les mines de charbon dans les montagnes environnantes. Au plus fort de son cycle d'expansion, récession pendant le XXe siècle, le village dépassait le millier d'habitants. Au début des années 2000, il n'en comptait qu'une centaine et après l'effondrement, à peine plus d'une dizaine. Aménagé le long d'une route de ravitaillement menant vers l'intérieur des terres depuis le littoral, le vieux chemin de terre a été remplacé par une route pavée dans les années 60, son emplacement grosso modo à mi-distance entre Port-Marie et les montagnes intérieures. On a fait naturellement un point de réapprovisionnement pour les mineurs, bûcherons ouvriers de la Syrie et campeurs du continent dans cette dynamique qui a été le moteur de la croissance du village en parallèle du boom économique de l'île dans les années 80. Toutefois, la construction de la Great Bear Highway, alias autoroute 15, a permis aux voyageurs de contourner Milton pour se rendre au nord. Privé de son statut de village en lait, Milton a dès lors périclité lentement. Ce déclin a été exacerbé par l'économie de l'après-effondrement. Brusquement, plus personne ou presque n'avait de raison de se rendre à Great Bear. Great Bear. Finalement, hormis les plus endurcis et les anciens qui avaient toujours vécu dans la région, Milton est devenu un village fantôme à tout point de vue. Ok. Un village fantôme. On est bien tombé, tiens. Ok, tout ça, c'est des boîtes à lettres. Ok. Bon, bah la poste, elle a l'air super grande de l'extérieur, mais en fait, elle est rikiki. Le tour. Hein. Oh, il s'est mis une caméra. Dans le bureau de poste. Ouh là là, mon gars. Ok. Ah bah non, il n'y a plus de courrier de toute façon. Fermé. Ouvrir le coffre, on laisse 6 pieds de biche, entrer dans le véhicule. Merde. La boîte à gants, elle est vide. Et la radio, elle marche pas. Du coup, on sort tout. Oh, une barre chocolatée. Régaler avec tout ça. Bonjour, il y a quelqu'un? What have we here?
qu'il y a des trucs là-dedans? Non, il est vide. Il congèle. Il est vide aussi. Ah, bah, d'accord. Is it food or... Ok, on va trouver un peu de bouffe. Ok, source d'eau potable. Et apparemment c'est tout. Hein. Keep the lamp burning. Okay. Et cette porte, elle mène nulle part. D'accord. Ok, on va visiter l'étage. Fusée de détresse. Des allumettes. Maladie, risque d'entorse. Comment ça? Je suis blessé? On est épuisé en surcharge. Oh, d'accord. Alors, Grey Mother, remplissez le réfrigérateur. Remplissez la réserve de bois. Vieille femme qui est peut-être la dernière survivante de Milton. Elle pourrait vous aider à comprendre ce qui c'est. Hein. Grey Mother, l'antenne de transmission. Qu'est-ce que c'est? Église Saint-Christophe. Et nous, on est là. Ok. Et la station service. Ok. Ouais, mais je suis un peu en surcharge apparemment. Donc. Hope nobody needs this anymore. Vêtements, du coup. Du coup, on s'est un peu équipé. Bon, du coup, il va falloir qu'on aille vider un peu notre inventaire. Donc, du coup, on va retourner chez mamie. En speed. Oh putain, il y a un loup là-bas. Du coup, on va foutre ça là-dedans. Foutre ça là-dedans.
Alors comment ça se fait que je suis si lourd que ça? D'accord, je peux porter 30 kilos et j'ai je sais pas de combien de kilos sur moi. Ok. C'est quoi ça? Casquette de baseball usée. Ah. Est-ce qu'il y a d'autres contenants où on pourrait poser des trucs? Ok, ça c'est la salle de bain de mémé. Ça c'est un lit. Coffre fermé. Boîte en carton qu'on pourra recycler. Ok. Mais non, du coup, il n'y a pas l'air d'y avoir tant d'endroits que ça où je peux poser des trucs. Et ça, c'est le lit de mémé. Ah, bah voilà, on peut poser des trucs là-dedans. Des allumettes. Transférer tout. Ça, j'en ai pas besoin. Les chaussettes, je suis équipé desquelles? Accélérant, combustible pour lampe. On va s'alléger au maximum, hein. Ça on va le foutre là aussi. Zéro à quoi ça? Ok, au niveau des vêtements, on va les garder pour le moment. Et un t-shirt troué. Attends. Je me serais déséquipé du t-shirt? Bah non, c'est bon.
Ok, il y a intérêt à faire gaffe, là-bas il y a un loup. Bon. On va essayer d'aller vers la station. Milton. Bureau de poste. Ah bah oui, en effet, il y a une maison qui a brûlé. Enfin, plusieurs maisons qui ont brûlé. Allez, ok. La station-service, elle est tout là-bas. Parce que là... Ouais, juste des cailloux sur nous. Oh, il y a de la bouffe là-bas. Si Mémé pouvait nous passer son fusil. Du charbon. On se dépêche. Mais au moins on a du bois. Ouais. Hein. On se meule. Hein. Journal, pile de papier. Baril enflammé. Ok, on peut faire du feu ici et se cacher ici si jamais. Oh, des pêches au sirop. Très bien. Des boîtes en carton. Des gants. Je sais pas si on va pas prendre ça. Pansement antibiotique. Oh, très bien. Les chaussettes de sport usées. Je sais pas si sous quel dans quelles conditions on peut. Boîte en carton, pile de papier. On peut recycler les vêtements.
8 minutes. Non, pour l'instant, on va le laisser là. Boîte en carton, pile de papier. Du paf séché, des boissons, tout ça, très bien. Des boissons. Là-dedans, il y a quoi? Il n'y a rien. Une échelle. Oh, des gâteaux apéritifs. Oh. Ah, pardon, j'avais pas vu que vous étiez là, monsieur. Excusez-moi, j'ai un peu piqué dans vos affaires, je crois. Ça a pas l'air de trop le déranger en fait. Hein. Une pagaie. Ok, bon bah je pense qu'on va lui parler. Hein. Je pense qu'on va lui parler. Hein. Bonjour. Well, another stranger. Have you escaped the town? Escaped the town? No, I just arrived. Not a refugee from the highways, then. You look weary, traveler. Come, warm yourself by the fire. Ah bah c'est gentil, merci. I'm nobody, but you can call me Methuselah. Methuselah. I'm here to witness the passing of an age. What do you mean, the passing? Don't you see the signs? I'm looking for my friend. Est-ce que vous auriez pas vu passer mon ami? My plane crashed. C'est en fait c'est mon ex-femme. Mais But it looks like she must have made it out alive. Visiblement, je pense qu'ils ont eu un enfant ensemble et qu'ils ont dû perdre l'enfant. Many people have passed. All have gone into the town. Et leur couple n'a pas survécu. Ok. Any idea why all the cars are stalled and left behind? They all stopped running. People abandoned them. Nothing but metal coffins now. You always this cheerful? My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished. But you'll have to live with what remains. Okay, You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels strange and empty. The quakes changed everything here years ago. Great Bear's back was broken, and it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse, you and I? No one thought the world would end this way, but how could they not have seen it? It's probably just the storm. Power failure. I'm sure everything will be back to normal in a few days. I'm not sure anything will ever be back to normal. What is this town? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. Paradise Lost. It's a town of the old world. Discarded, left behind. You won't find much hope. I need to find my friend. I'm not sure you'll find any friends here. Go safely, and good luck to you. I hope you find what you're looking for. Ok, merci, Methuselah.
Oh yes! Vous auriez pas un pied de biche à me dépanner des fois? Apparemment pas. Ah, pas grand chose hein, ici. Hein. Ah bah écoutez, hein, quand on a faim, on a faim. Ah, et puis la nuit, elle va être tombée, bien sûr. Oh, boisson énergisante, go! Alors, ça, si c'est pas de la trouvaille, mon vieux. Bon, on voit plus grand chose, hein. Surrounded by snow, and nothing to drink. Ah oui, j'avais laissé une paire de gants dedans. Tomber, hein. Donc là, sortir de nuit, c'est s'exposer à une attaque de loup. Sûrement. The sun's setting. It's gonna get a lot colder soon. Yeah. Il faudrait que je retourne dans la maison de Mémé. Essayer de courir un peu. Essayer de pas tomber sur un loulou. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est juste des vieux bidons. On mange aussi un jour. Ah, et puis là. Ah, mais attendez, j'ai une lampe. Est-ce que j'avais pas trouvé une lampe? J'avais ramassé. Si, voilà. Ok. Ah oui. Cycle des trucs. Ça, on peut le réparer. Et c'est tout. Ah non, on peut le recycler. Ok.
Grimpe en métal. Carton. Grippe. I'll be hungry later. Voilà, parce que tous ces trucs, c'est peut-être des trucs qu'on va pouvoir recycler. Hein. Il ne faut pas déconner. Ah, j'ai soif. Se réhydrater. Ok. Ça, du coup, on peut boire de. Ah bon, il y a des trucs à boire dedans. Ah bah oui, il y avait un café dedans. Ok, cool. Avantage fatigue réduite. Bah voilà. Stuff will come in handy. Une fusée. Du lapin cuit frais. Oh. Donc, du coup, il y a peut-être quelqu'un qui habite dans cette maison. Fait tout des barres chocolatées. Tout ça, c'est du combustible. I could use this. Oh, une écharpe. Utiliser soit l'écharpe soit le bonnet. Ouais, mais l'écharpe ça verra ah, après il y a des vêtements qu'il faut réparer. Ah bah oui. Vite. Vite. Hmm.
Bon, bah, on va aller dormir. Hein. On va aller dormir dans le lit à mamie quand même. Ouais, extinction des feux. Il est où le lit? Je ne vois plus le lit. Non mais... Ah, voilà. Faire passer le temps sans bénéficier des avantages du sommeil, ok. Attends. Attends, parce que là, ce que je voudrais, c'est... voilà. Éteindre. Ah. Mais tu lis. Putain, on voit rien. On voit rien du tout, c'est un enfer. Mince. Parce que là, si j'utilise le lit, ouais, ça va consommer tout mon carburant pour ma lampe. Ah bah voilà, je m'en doutais. Ah putain. Grey Mother. Ok. Base de la survie. Trouver, cueillir, préparer des plantes médicinales. Apprenez les leçons de l'école de survie. Apprenez à repriser et entretenir vos vêtements. Oh bah du coup pas le choix, hein. On va être obligé d'attendre. Que le jour se lève. Parce que là... Ah bon, ça se... D'accord.
Ah oui, j'ai toute la bouffe à poser aussi. Voilà. T'es en train de me dire que je suis en train de tout manger? Ah non, c'est bon, je les pose dans le réfrigérateur. J'allais dire que je suis en train de tout bouffer. Le long hiver. Ok, ça c'est du café. Ok, je vais garder de l'eau. Je vais garder des trucs à bouffer sur moi aussi au cas où. Et puis le café, je vais le poser aussi en fait, puisque j'en ai un là. Les allumettes, tout ça. Une boisson énergisante, les antibiotiques. Il va falloir qu'on répare nos affaires aussi. Retournez voir Grey Mother, ok. Parce que je sais pas du tout où je suis là. Ah bah d'accord, bah j'étais en plein contre le mur. Alors, truc super utile. Ok. Ah, je m'ai brûlé. Grey Mother? On the way into town, there was an old man. Glasses, big beard, walking stick. On aurait dit le Père Noël, sauf qu'il était pas habillé en rouge. Doesn't sound like anyone from Milton. Most of the elderly have gone. Or died. I'm the only one left. The only one from the old days. The old man outside of town, Methuselah, he said he'd seen other people walking towards Milton. Other outsiders? It's possible. Where would they be? Maybe my friend was with them. If they were outsiders, they might have stayed in the old schoolhouse. In the months after the quakes, people used to huddle there for the warmth of the school's old coal burner. Rare outsider coming through Milton might stay there the night. If your friend came through Milton, chances are she ended up there. Have you been able to remember anything else about that night? Anything that might help me find my friend? I'm back in that night. Wind howling. Voices passing through town. I can hear them. Just outside the window. It's windy, but the voices carry. They are yelling. Her voice, it passes through town. She's running. She's alone, calling for help. Oh. But no one comes. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Anything else you can remember might help. They said men came from the tunnel. What about the tunnel? The only way out of Milton. The only way through the mountains. It's the only way she could have gone. Okay. Merci, mamie. Nouvel objectif. Demain, il s'est passé quelque chose dans le tunnel qui quitte. Examinez-le.
Ok. Bon, je lui ai trouvé assez de provisions et assez de bois apparemment, donc ça c'est cool. Donc il me reste à aller le tunnel. Ok. Ok, village de Milton. Ok. Consultez votre journal des objectifs pour afficher le menu radial. Appuyez sur espace, nourriture, feu, teint, base de habillement, sprinter. Ok. Médicinal, note du bureau de poste et ok. Ah voilà, ok, c'est Matthews Allen. Loup. Les loups ne sont pas des chiens dans la nature, ils sont très dangereux d'ordinaire, ils ne s'en prennent pas aux humains, mais. Voulez-vous courir le risque? Comme la plupart des animaux sauvages et les loups ont peur du feu, un feu de camp, une torche ou une fusée de détresse peut les tenir en respect, mais rien n'est moins sûr. Au final, le meilleur moyen d'éviter de voir les loups de trop près est de vous écarter au maximum. Gardez à l'esprit que le sang et la viande crue les attirent. Cadavre gelé. Ah, les véhicules et les conteneurs. Fouillez tous les conteneurs. Ok. Et action. Voilà, ok. Rhymozer. Ok, donc le tunnel il est là-bas. Ça, c'est la map. Ok. Étanchéité 20. Ah d'accord, celles-ci elles sont étanches. On va les réparer aussi. Ouh, comme ça, ça nous fera des chaussettes chaudes et des chaussettes étanches. J'ai encore des trucs à voir là-dedans. Il m'indique toujours le crash, souvenir. Ah non, ça y est, c'est bon. Un chute de neige importante, quelqu'un a griffonné, ça ne va pas lui plaire, mais nous devons aller voir comment elle va. Il faut bien que quelqu'un y aille. Ok.
Donc, on va réparer nos vêtements autant que possible. Tout ça, c'est relativement en bon état. Il y a un autre pull qu'il faudrait qu'on répare aussi. Tout le reste, ça va, c'est relativement en bon état. Ok. Ah, ça, il faut du cuir séché. Ok. Ça, je sais plus à quoi ça sert. Ça se mange, c'est quoi? Ah, voilà. Trouver, cueillir et préparer des plantes minières. Stocker les produits, cuisiner ou fabriquer dans votre sac à dos pour terminer le son avant de traiter. Ok. Alors attends, du coup on va récupérer une partie de ça. Je sais pas combien il en faut pour faire un thé. Du coup on va prendre ça. Tour. Tour. De l'eau. Ok, mais alors là, par contre, je sais pas vraiment comment on fait pour. Il fait encore nuit ou... Ah oh. Je sais pas si c'est la nuit ou si c'est parce que c'est la tempête, mais... est-ce que j'avais pas du... Non, j'ai plus de combustible. Non, il n'y a plus de combustible. Ah, zut.
Comment on fait? Comment on fait? Non, c'est pas dans un fait-tout. C'est assez bizarre. Par contre, c'est bizarre, on dirait que c'est le jour, mais il y a une telle tempête dehors que c'est juste impossible de sortir, quoi. Matériaux nécessaires. Ah, il en faut 24. Ah bah voilà. Ah bah voilà, ceci explique cela. Ok. Hop, on va tout transférer. Et on va faire notre T1. Non. Ah, mais zut. Ah bah voilà. Ok. Ah ça y est. Enfin ça y est. Un peu plus jour quand même. Et le loup est parti. Bon, on va aller préparer nos cynodrons et on va essayer d'aller finir d'explorer parce que. Quoique, on va peut-être bientôt s'arrêter en fin de compte. Ah bah voilà, cynodron. Voilà, ce sera prêt dans une minute. Du coup, est-ce qu'on pourrait manger un peu? Parce que je crois qu'on a un peu faim quand même. Pas lui prendre son fusil. Oh mais non mais c'est pas ce que je voulais faire. Le réchauffement, ouais, d'accord. Et du coup est-ce que j'en ai encore? Ah voilà. Ouais, du coup, on a bien chaud, c'est cool. Du coup, tiens, recycler la table, ça va nous prendre combien de temps? 1 heure! Ah ouais, non.
peut pas se permettre de perdre une heure. Voilà, j'ai fait espace au lieu de faire, on va prendre, et du coup, ah non, ce que j'ai foutu dans son frigo, je peux plus le récupérer. Ah. Ah ok. Ah ok. Hope I can still eat this. Ouais, du coup ça, on a fait les trois là. Ah bah non, il considère que j'en ai fait que deux. D'accord. Des mèches en barbe de Jupiter, c'est quoi ça? J'ai pas trouvé ça. Les théories ici. Du coup, je me suis couillé comme moi. Bon, faut qu'on fouille les maisons. Faut qu'on fouille tout ce qu'on peut, en fait. Non, celle-ci est fermée. Ah, il y avait un toutou. Et toutou, il est petit. Il est petit, toutou. Ok, donc ici, on va fouiller. Ici, on a vu qu'elle était fermée. Ça, c'est le château de nuit. Ah ! Cours, garçon, cours ! Pétoche. Bon, de toute façon, on va pas tarder à sauvegarder et I think I can use this. Oh yes, de la ferraille. Ah, des outils simples. Y a pas ce qu'on cherche ici. Ah ok. Ok.
cette baraque là elle est fermée, cette baraque là elle est brûlée, cette baraque là elle est fermée. Cette baraque là je suis pas sûr mais je crois que je l'ai déjà visitée. Hope nobody needs this anymore. Non, celui-ci ne se lit pas. What have we here? Bon, ça pourrait être utile de trouver un pied de biche quand même. Ok, il y a un lit ici. Les chaussettes de sport, on les recyclera. Oh! Clé de coffre bancaire. Clé. Ok, ah bah. Bah ouais, on va prendre ça. On peut ouvrir le coffre numéro 7. On fera ça dans le prochain épisode, je pense. Parce que là... Là, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Il est déjà... Tard. Ouais, je regarde à combien j'en suis dans mon inventaire. Est-ce que je suis pas en surpoids? Non, pour l'instant ça va. Je crois qu'on l'a déjà visité. C'est celle-ci qu'on a déjà visité en fait. Oui, celle-ci a déjà été visitée. Du coup, on va pas s'éterniser dans une baraque qu'on a déjà vidée. Il y a d'autres baraques là au fond. J'ai cru que c'était un ouf. J'ai dit, merde. Oh, le joli drapeau canadien! Nécessite un clé de la maison du directeur de la banque. Évidemment. Évidemment! Ah, j'ai déjà fouillé ici. Ah bah oui. J'étais déjà venu ici. J'ai pas tout fouillé. Lettre larmoyante. Je ne veux pas en arriver là, mais je n'ai pas le choix. Je ne peux plus rester à Milton. C'est trop vite, trop triste. Je sais que j'avais promis de rester avec toi, quoi qu'il arrive, mais vu la tournure des événements, pardon, je te ferai parvenir de la nourriture à mon arrivée sur le continent. Il paraît qu'il y en a plus là-bas, avec tout mon amour. N. Oui. Donc ça, fouiller... Fouiller.
On avait fouillé cette baraque. Voilà. Regarder s'il y avait des trucs en dessous du lit, par contre, du coup, ça peut-être le coup de regarder. Non, c'est bon, c'est fait. Ok. Ok, donc cette maison-ci, on l'avait fouillée. Les maisons en ruine, on risque de pas trouver grand-chose dedans. Alors, il y a des oiseaux, on voit les ombres, mais on ne voit pas les oiseaux. Mais c'est intriguant. Très très intriguant. Non, là on est en train de retourner vers la poste. Là on a la maison du patron de la banque. Cette porte là, cette maison là, on l'a déjà fouillée, non? Ouais. Ouais. Faut que j'arrête de refouiller 10 fois les mêmes baraques. Chose dans une boîte à gants, comme je sais pas, un jeu de clés. Ouais, ok. Bon. Je crois qu'on a un peu fait le tour de la ville là. Que bon, à mon avis, les cerfs déjà, essayer de les attaquer à la pierre, à mon avis, c'est foutu d'avant. Bon, allons voir ce qu'on peut trouver par là. Il y a des choses à trouver. Attention au loup. Non, cette maison a été fermée. Ah, on a une ici. Une maison ici. Ok, bon, on va faire une sauvegarde et puis on va s'arrêter là. Voilà, on va basculer en écran de fin, on va en terminer pour ici. Alors, je vais quand même sauvegarder la partie. Nouvelle sauvegarde, accepté. Voilà. On va basculer sur l'écran de fin. Voilà, la transition. Je vais quitter le jeu. Lancer le petit générique. Hop là. Et donc, eh bien, si vous regardez sur YouTube, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker et partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires dans la zone prévue à cet effet. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Et si vous êtes sur Twitch, eh bien, des bisous à vous. Une bonne nuit et rendez-vous demain pour la suite de ce live. Et on fera gagner, bien sûr, un nouveau jeu demain aux alentours de 22h avec début du giveaway à 21h. Voilà. Allez, des bisous à tous et à bientôt.